Bonjour à tous, c'est Azertiroz pour les intimes, j'espère que vous allez bien, ça va très bien. Et on se retrouve aujourd'hui dans le plus grand des calmes, dans le plus grand des plaisirs pour la suite de Lonesome Village. Et puis c'est tout quoi, je me vomis dessus, ça fait plaisir, je viens de boire un coca. On est bien, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir ce qui se passe ici. Je viens de manger burger coca, donc autant vous dire que ça va être d'une violence, ma foi, à toute épreuve. On va avancer dans la tour, on a 5 cœurs. La dernière fois, on avait vu les chattes et on les avait satisfaites et ça fait plaisir. Et puis maintenant, on va essayer de progresser dans la tour. Je suis toujours enrhumé, hein. Je tourne, on est encore le 1er novembre, sauf que là, il est 20h32. Et ma foi, c'est terrible, hein. C'est terrible, c'est terrible, c'est terrible. La vie, c'est comme un grand bol de soupe dans lequel on aura fait des tas de bonnes choses formidables, dégueulasses. Alors, on va là, allez, on va là. On va à l'étage du pigeon. Le pigeon qui n'est pas un pigeon, qui est un animal, ma foi, tout à fait sympathique. C'est pas ici, c'est là. Il me faut 4 cœurs, c'est ça. 3 cœurs, dans 3 cœurs, je peux entrer. Ah là, c'est là où il fallait. Ah non, les lunettes. D'accord. Eh ben écoute, on va y aller, on va y aller, on va y aller. Juste, on va se remettre ça là. Et puis c'est parti. Mohamed Salah, on y va. Sympa, sympa, sympa. La chanson du perroquet. Intéressant. Intéressant, très très intéressant. J'aime ce que je vois. Je vois ce que j'aime. Alors, on a l'œil. L'œil qui est là. Et là, on a là, il faut résoudre sans doute des mystères. Alors, qu'est-ce que c'est que cette merde? Oh putain, oh putain, oh putain. Ok, alors. Oh putain, est-ce que je peux. Ah, je peux. Ah, je peux tourner les. D'accord, là, ça fait ça, ça fait ça. Là, ça fait ça. Faut que j'aille où? Bleu, bleu. J'ai rien compris. J'ai rien compris, mais ça me semble être pas mal. Oh putain de bordel de merde. En gros, faut que je l'envoie sur le bleu, c'est ça? Ouais, c'est ça, faut que je l'envoie sur. Ok. Ok. Et ben voilà! Bon, c'est pas très compliqué. En tout cas, j'ai pas l'impression que ça le soit. Hein. C'est peut-être compliqué pour vous, mais pour moi, comme je suis superbement intelligent, ce n'est pas compliqué. Alors, non, là, on s'en branle. Là, on s'en branle. Là, tac, tac, tac. Voilà, c'est pas mal. Là, ça, je sais pas du tout ce que je fais. Non, ça, c'était bien. Voilà, tac, 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 tac. Tac, parfait. Tac, tac, tac. Nickel, nickel. Oh, c'est sympa, là. C'est sympa ce qu'il fait, là. C'est très sympa. J'aime bien. Ah, il y en a qu'on peut pas changer. Il y en a qu'on ne peut pas changer. Peut-être changer celui-là. Voilà, peut-être changer celui-là. On fait un de ces parcours, mon gars. J'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu ça comme ça, peut-être. Montre-voir. C'est pas mal ce qu'on fait, hein. Et ben voilà. Et putain, Azertiran, t'es trop fort. Azertiran, putain, Azertiran. Oh, une cage! J'adore les cages. Oh, des lunettes. J'adore les lunettes. Si j'avais pas été un être humain, je pense que j'aurais été des lunettes. Ok, magnifique. Merci. Merci, Champollion. Merci, champion. On va récupérer le coffre. Le coffre, mille et un plaisir. Le coffre au trésor. Et on va récupérer des ducats. Des pièces d'or. On aime l'argent. On aime l'argent. On est passionné de pognon. Parce qu'on est youtubeur. Ok, les pigeons, on les a aidés. On les a aidés, ils sont contents. C'est un beau petit couple, hein. Un beau petit couple très, très LGBT friendly. Oh putain, Gonzo. Merci de nous avoir libérés de cette tour, mec. Très impressionnant, sans aucun doute. Mais on dirait que quiconque l'ayant construit n'était pas intéressé par le confort de ses invités. Je m'appelle Gonzo, et ce type-là est mon pote California. Prends soin de toi, on se revoit au village. Ok. On aide les habitants, comme si leur vie en dépendait. En même temps, leur vie en dépend. 4 cœurs, j'ai ce qu'il faut. Donc on va pouvoir rentrer et faire la suite. Oh l'éléphant, Jean-Mich-Mich l'éléphant. Ok. Bon, c'est le jeu est assez, c'est ça que j'aime bien et enfin qui peut gêner, qui peut déranger en même temps. Moi c'est ça que j'aime bien, c'est que c'est un jeu. C'est toi, tu vois, c'est toujours un peu le même,
le même schéma, le même type, voilà, les mêmes genres de trucs qu'il faut faire, la même construction, mais c'est plutôt sympa parce que comme ça au moins c'est relativement facile. Oh putain de sa grand-mère la pute, qu'est-ce qu'il faut faire là? Là, il manque des touches en gros. Ouais, c'est ça. Bah écoute, c'est un labyrinthe. C'est un labyrinthe. C'est un labyrinthe, ça sert à quoi? Il y a des indications à droite à gauche, mais pas l'impression que ça soit trop. Alors, enfin, si c'est juste un labyrinthe, c'est pas le plus compliqué, hein. C'est pas comme si il y avait des Pokémon qui nous tombaient sur le coin de la gueule. Non, là, c'est pas. Ça reste, ma foi, un jeu. Oh, Yesui est tombé, cassé le bout du nez. Non, ça reste, ma foi, relativement simple, de bonne aloi, de bonne acabit. De bonne acabit. Et bah écoutez, oh, une note. Et bah écoutez, une blanche. Et bah ça fait plaisir, ce jeu est raciste. On apprécie, on aime bien le racisme ici. On récupère ça. Des blanches. Est-ce que je peux passer? Oh! Ah bah non, pas du tout. Ok. On va y arriver. Je tente des tricks, je tente des choses délicieuses hein, qui ont peu de chances de marcher. Mais écoutez, dans la vie, c'est ça. La vie, c'est moi. La vie, il faut essayer. Elle est où la touche là? Elle est où la touche? Elle est où la touche? Ok, par là, par là. Elle est où la touche? J'ai peut-être tout eu, non? Je sais pas si j'ai tout eu. Monte voir. 1, 2, 3. Ah bah voilà. Et bah joue du piano debout, quoi. Ah merde, j'ai pas regardé. Rejoue. Ok, carré, et machin. Ok, là ça va. Parfait. Ça n'a pas fait de bruit, je ne sais pas pourquoi. Alors, Oh, je suis nul pour ces trucs-là. Je sais pas lequel c'est. Non, ok. Faut que je note parce que ces trucs-là, je suis extrêmement mauvais. Et quand je dis mauvais, c'est. Merde, ça allait trop vite. Tac, tac, tac. Ok. J'ai pas du tout noté. On va faire au pif, voilà. Faut que je note parce que ça, je retiens absolument pas. Ok, j'ai noté. Alors. Merde. J'ai noté, mais pas. La bassine. La bassine. Le bitune, le bitune, le bitonio, le égal, et le égal avec du schmouk. Ok, maintenant, vas-y, envoie le pâté. Le comme ça, le égal, le tac-tac, le carré, le machin, le vagin. Ok. Alors, le bitonio, le égal, la musique est très forte, le égal avec son machin, le carré qui est pas fini, et voilà. Bon, hein, pas trop compliqué. J'aurais même pu faire travailler la mémoire, mais j'ai préféré que non. Hein. J'ai préféré un bon vieux papier, un bon vieux crayon, il n'y a que ça de vrai. Parfait. Et je récupère la défense d'éléphant, la défense d'y toucher. Et on va pouvoir, ma foi, vivre d'amour et d'eau fraîche. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais nous aimons l'amour et l'eau fraîche. Hop. Magnifique. C'est splendide ce qui se passe ici. Oh, l'éléphant de tout en camion. Oh, mais il y a un monde fou là, dis donc. Oh putain. Bonjour, je m'appelle Dorothy et ces personnes là-bas font partie de mon groupe talentueux. On se produit généralement sur la scène près du village. Apportez la joie avec notre musique, est-ce que nous adorons le plus? Eh bien, viens nous voir au village dès que tu peux. À plus. Et bah, à plus. Pouvoir passer à la suite. Ah, il faut une offrande. Qu'est-ce qu'il lui faut? Il lui faut quoi là? L'œil? Qu'est-ce qu'il te faut, mon bonhomme? Des petits bonhommes. Je sais pas ce qu'il te faut, des pommes? Ça. Non, ok. Je ne sais pas ce qu'il lui faut, je ne sais pas ce que c'est que ces choses-là. Mais écoutez, on reviendra plus tard. Hein, on reviendra plus tard. Mais on est pas mal, on a bien avancé. Vas-y, sauvegarde auprès de Léopoldine la renard, là. On va pouvoir essayer d'aller aider un petit peu les villageois. Hein. Ça peut être pas mal, ça peut être de bon acabit, de bonne aloi, de bonne contribution, ça peut être sympathique, sympathique, sympathétique. On aime bien, on aime bien. Aujourd'hui, là, le 1er novembre, il y a eu plein de jeux qui y ont sorti. D'habitude, c'est plutôt le jeudi.
Mais alors là, on est quoi? On est mardi, ça bombarde, putain. Et demain, je crois qu'il y a aussi des jeux. Il y a des jeux un peu tout le temps. C'est quoi, c'est en mode Star du... C'est en mode Star du Valais? Non, c'est bon, il m'aide en fait, je crois. Je sais pas. Il l'a rapproché. C'est très bien, mais c'est pas assez. Mais écoutez, pourquoi pas? Alors, on va parler à tout le monde. Rebonjour, on aimerait te parler quelques minutes, tu pourrais te joindre à nous? Oui, Babar, avec plaisir. C'est quoi les petits trucs sur la fontaine? Ah, je sais pas. Faut qu'on remette de l'eau. C'est très joli, hein, par contre, ça. C'est des graphismes un peu à la Little You. Little You 2, Little You 1. Des gros classiques, faudrait que je les refasse sur ma chaîne. Oh! C'est les animaux de Brême, là? Les musiciens de Brême? On est très reconnaissant de ton aide. Cette tour était beaucoup trop silencieuse. C'est mauvais pour les esprits créatifs comme nous. Le silence est plus fort qu'un violon désaccordé, tu sais. S'il te plaît, accepte ce cadeau. Je vais t'apprendre une chanson antique, une que personne d'autre ne connaît. On raconte que ces notes ont des pouvoirs spéciaux. Je vais également écrire la chanson dans ton journal. Si jamais tu l'oublies, elle va toujours être là. Ah, ukulélé, ukulélé, ma guitare. Un cœur et un ukulélé. Parfait. La danse de la pluie. Donc, 1, 3, 2, 4. Ok. Un, trois, deux, quatre. Parfait. J'ai obtenu un des instruments. Ah, et ça fait pleuvoir. Ça fait pleuvre. La grosse drache. Ça fait laguer aussi. Et non, c'est bon. Oh, il pleut, la fête de la pluie, la danse de la pluie, ça fait plaisir. On est en mode Wind Waker, hein, c'est vraiment Wind Waker. Oh, salut! Ah ouais, c'est vraiment inspiré de Zelda, hein, avec les chants. Bonjour, toi! Qu'est-ce qu'elle me veut, la grosse? J'ai des envies de bonbons, c'est ainsi. Si tu trouves des sucreries, pourrais-tu les partager avec moi? Oui, avec plaisir. Oh, nous parlerons l'autre fois. Ouais, t'inquiète, t'inquiète, t'as plus l'anus. Ok, récupérons... récupérons, ma foi, ça. Voilà, histoire de se mettre des carottes... dans le fondement, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Bon, on a la machine de la pluie, donc ça, c'est pas mal. On va pouvoir peut-être faire tomber le biniou magique qui est là-haut. 1, 3, 2, 4, c'est ça? Je ne sais pas. Oui, c'est ça. Ok. La danse de la pluie. Est-ce que ça sert à quelque chose? Est-ce que ça sert à quelque chose? Bah ouais, là, logiquement... Ah, faut que je lui fasse là. 1, 3, 2, 4... Faut que je lui fasse sur la stèle, peut-être. Est-ce que c'est comme Wind Waker? Faut être sur les bonnes stèles? Je ne sais pas. Ça lag. Oh, ça a l'air d'avoir fait quelque chose. Ah, parfait. Ça fait tomber le bonhomme bidule. Parfait, ça. Ah. Et qu'est-ce qu'il me dit là? Génial, on a l'article demandé par le sanctuaire. Quand tu seras prêt, retourne-y afin qu'on puisse continuer à sauver les villageois. Ouais, t'inquiète. T'inquiète, t'inquiète bien. Je vais juste voir s'ils veulent quelque chose. Ouais, c'est ici, c'est mon hôtel. J'aimerais bien travailler, mais je crève de faim. Pourrais-tu apporter de collation pour que je puisse commencer à travailler? Oui, bah des pommes. Merci beaucoup. Maintenant, je peux commencer à travailler. Si tu es intéressé, j'aimerais discuter de l'hôtel avec toi. Putain, de l'argent! Ouais! J'adore l'argent! J'aime l'argent. Viens me parler, tu peux. Avec plaisir, Gonzo. Avec plaisir. J'ai juste essayé de récupérer quelques cœurs. Comme ça, je pourrais faire des niveaux à la suite. Je me mets à sa place. Oh putain, oh les chambres, oh putain, je pille les chambres, de l'argent, j'adore l'argent. Je m'en mets partout sur le visage. Ok, là y a rien, rien, c'est des grandes chambres, on n'est pas plus de 1000 par chambre là. Tu veux pas rentrer dedans? Je veux discuter de l'hôtel. Tu es nouveau au village, pas vrai? Laisse-moi te dire quelque chose qui va grandement t'aider dans les aventures. Tu peux me remercier plus tard. Ce bâtiment ici est mon hôtel. Être un héros épuisant, n'est-ce pas? Tu peux te reposer ici autant de fois que tu le veux. Si tu as assez de monnaie, bien sûr. Les lits sont si mous que tu pourras dormir une demi-journée sans t'en rendre compte. D'accord, c'est pour passer le temps. Si la nuit, tu te réveilleras le matin et vice-versa. Viens parler ici, si jamais tu as besoin d'une petite sieste. Oh, deux cœurs. Ah, bien, merci petit enculé.
Ça fait plaisir. Ah, ça veut dire qu'on a fini les quêtes avec lui? Ouais, je crois. Très bien. Eh ben écoutez, pourquoi pas. Pourquoi pas, pourquoi pas. C'est bon. Ok, regardons le bouquin. Ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Ok, les chattes, je sais pas ce qu'elles veulent, mais elles m'ont saoulé. Lui, là, Piggy Chou, il veut quelque chose. Oui, la fontaine de nouveaux fonctionnels, je ne sais pas trop comment tu y es pris, mais merci. Allez, de l'argent et un cœur. Allez, merci. Merci, merci, merci. Coucou, couton. Voilà. Un cœur. Retour voir. Ouais, non. Est-ce qu'il y a quelque chose à faire auprès de quelqu'un d'autre? Tiens, Jean-Michel, tu veux quelque chose? Tu peux toujours rouler en te déplaçant. Ouais, non, d'accord. Intéressant. La banque, on s'en fout. Ça sonne parce que c'est la nuit. La nuit, tous les chats sont gris. On va sauvegarder, peut-être. J'aime bien ce principe du jeu. C'est assez sympa, le principe de jeu. C'est plutôt cool. Je sais pas combien je ferai d'épisodes, mais j'apprécie. Le hibou, là. Le hibou communiste, il a quelque chose à me dire? Souviens-toi que tu peux attraper plusieurs poissons au lac avec ta canne à pêche. Ouais, d'accord. Ok. Est-ce que je peux te piller, mon garçon? Ah, j'aimerais bien le piller. Est-ce qu'il faut que je prenne la loupe? Non. Pourtant, ça a l'air d'être un livre magique et maléfique et tout ce que tu veux. Mais manifestement, non. Bon, bah écoutez, on va aller faire des énigmes, hein, puisque le jeu veut qu'on fasse des énigmes. Ah bon, est-ce qu'il faudrait pas aller voir... Là, il faudrait mettre une rose, je crois. Est-ce qu'il faudrait pas aller voir cette tente magique, là, émérifique? Bonjour. 100 pièces d'or pour un ticket. Utilise des billets pour sauter des puzzles et sauver les villageois. Ah, d'accord, c'est un passe... c'est un passe muraille, c'est un passe montagne. D'accord, ok, c'est pour passer les levels. Eh ben, ça fait plaisir. Mais on n'en a pas besoin parce qu'on est beaucoup, 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 beaucoup trop fort. Est-ce qu'on a sauvé combien de villageois? On en a sauvé pas mal, là, non? On va continuer. Moi, j'aime sauver des villageois. C'est une de mes grandes passions. Roulade, 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 roulade. C'est comme dans tous les jeux, dès qu'il y a une roulade, tout le monde fait que des roulades. On va tout en haut. En haut de la plus haute tour. Voilà. Et ça va être formidable. Ça va être très bien. En tout cas, j'espère que vous appréciez cette petite aventure, ces petits épisodes. Je sais pas si c'est un let's play, je sais pas si on fera tout. En tout cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à commenter, à vous abonner. Ça me fait plaisir. Et puis ça fait plaisir à tout le monde, hein. Faut s'abonner, c'est important. Suivre sur Instagram, Twitter, Twitter, Twitter. Ok. La statue. La statue de Mangus. La porte. La porte des biens plaisirs. On va parler à lui. Salut, qu'est-ce qu'il a? Hein, tu as fait du beau travail jusqu'à présent, sous la soie de sauver les villageois. Par ici, tu obtiendras les cœurs, te permettant de continuer ton aventure. Ah, j'ai bien compris, ça fait une heure qu'on joue. Ok. Trouvons des glands. Écoutez, j'adore les glands, c'est ma grande passion. Donc on va essayer de frotter le mien et d'aller en chercher d'autres. J'aimerais bien, est-ce que vous aussi vous frottez vos glands, votre gland, comme si c'était une petite pierre magique? Tu vois, la lampe d'Aladin. Oh putain de sa grand-mère. Ok. Alors. Je sais pas du tout où je vais. Mais j'y vais. J'y vais, j'y vais. Ah non, là je peux pas. Je peux pas tomber, d'accord, d'accord, d'accord. Je peux descendre. Très bien. Très bien, est-ce que c'est tout droit? Ça a l'air, ma foi, tout à fait droit là. Voilà, bon écoute, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Sauf qu'il faut tous les faire en fait. Peut-être pas. Peut-être, mais peut-être pas. En tout cas, je vois difficilement d'autres chemins, d'autres passages. Ça a l'air de marcher. Voilà. Écoutez, pas l'air très compliqué. Ça a l'air d'être très compliqué. Ok. Là, on descend. Là, on va là. Est-ce que je suis en train de tourner en rond? Peut-être, mais peut-être pas. Ah, j'ai pas l'impression. J'ai l'impression qu'on est très très bien parti là. Hein. Ok. Bon, écoutez, c'est plutôt simple. On se croirait dans Pyjama Sam quand il faut choper le bouquin bleu là, le bouquin de la machine. Pour les haricots magiques. Pour les haricots sauteurs, mais ça a l'air d'aller, hein. Enfin, en tout cas. Oh, le gland. Et ben voilà. Et ben parfait. Bon, bah très simple. Très simple. Je vois même pas comment j'aurais pu me tromper. Ok, parfait. On va continuer des villageois. Le jeu est simple, hein, quand même. Plutôt simple. Mais ça fait plaisir. Oh là là, mais il y a toujours...
Oh, ils sont... C'est les restaurateurs, non? On dirait des japonais. On dirait des animaux japonais. Oh, c'est un panda roux. Ni-ha-ho. Ah ben, c'est ça. Je m'appelle Raglan. Non, je vais pas faire l'accent raciste. Le meilleur chef au monde entier. Je possède le café dans la forêt. Le meilleur en ville, si je peux me permettre de le dire. Si tu veux cuisiner de délicieux desserts, tu peux me retrouver ici. À la prochaine. Ouais, salut, salut, salut. Complètement bisexuel, comme tous les cuisiniers. Ok, vas-y. 6 cœurs, mais on en a 9. Oh là 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 là. Le plaisir d'un homme. Le plaisir d'un homme qui s'appelle Azertiran. Ok, la corne de licorne, la corne de gazelle. On avance vite, on avance bien. C'est un jeu, ma foi, je ne connais pas la durée de vie, mais c'est un jeu délicieux. Licorne rose, oh là là. Encore des... D'accord. Ok, je lui mets dans l'anus, je lui mets comme ceci. Ouais, fastoche, fastoche la brioche, là. Oh, putain, le jeu n'est pas compliqué, quand même, hein. Oh, putain. Alors, là, ça va être plus ardu. C'est comme ça. On se retrouverait dans Pokémon. Ça, ça pourrait être des épreuves à la Pokémon. Voilà. Là, on le fait dans le sens inverse. C'est comme les labyrinthes. Ici, ça va là. Ici, ça va là. Ici, ça va là. Ici, ça va là. Allez, hop. Allez, au revoir, merci, bonsoir. Ah, faut tous les activer. Ah, l'enculèche, l'enculèche, faut tous les activer. Ok, non, il m'a bien eu. Voilà, bon, pas très... Ah non, si, quand même. Comme ça. Et ben voilà, bon, pas trop compliqué, ça se fait bien, ça se fait très très bien. Il y avait de la malinerie à voir, mais ça se fait très très bien. Oh, putain, oh. Putain, alors, hop. Comme ça. Ici, là. Ah, c'est peut-être lui le dernier. Voilà. Lui, comme ça. Là. Ah ouais, non, lui. Tac, 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 tac. Ah, il mène comme ça. Toi, tu peux mener sur lui, c'est la fin. Ok. Ça m'a l'air d'être pas mal. En sachant que toi, tu vas aller là. Que toi, tu vas aller là. Que toi, tu vas aller là. Que toi, tu vas aller en haut. Que toi, en haut, tu vas aller là. Que toi, tu vas aller en bas. Que toi, en bas, tu vas aller là. Que toi, tu vas aller là. Et que voilà, je crois que c'est bon. Putain, Azertiran, fais-moi des enfants, la vache. Il est bon, hein. Il est bon, petit. Très bien, la corne des mille et un plaisir, la corne. Ok, ça me fait chier les notifications Steam. Voir que Monsieur Blur06 joue à Need for Speed, c'est le cadet de mes soucis, ok? Cadet de mes soucis. Oh, la licorne, elle est belle, hein. Elle est très sexy. Très sympathique. Merci chérie, mes vêtements étaient en train de se froisser dans cette statue. Tellement de poussière et de noirceur. Si peu de style et d'hospitalité dans cette tour. Bref, j'espère qu'on pourra se reparler bientôt. Viens voir à ma boutique de vêtements. Eh ben voilà, des vêtements, des skins, payer tout, 7 cœurs mais j'ai assez. On continue tant qu'on a assez, on continue. Même si ça fait 24 minutes, on en a rien à branler. On s'en bat les reins. On s'en bat les steak pastèque. Alors, le bois. Ah, c'est un castor. C'est un castor à lunettes, un castor allumé. Les castors des... C'était quoi les castors déjantés, là? Je sais plus quoi, le dessin animé. Rivière castor. Oh putain, qu'est-ce que ça fait? Ok. Et ben voilà. Putain, j'ai rien compris, mais... Ah si, d'accord, barrage hydroalcoolique, hydroélectrique, d'accord. Comme ça, comme ça, comme ça. Ok, bien joué ça, Azertiran. Bien joué, ça n'a servi à rien. Voilà, là on est bien. Et là. Comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Voilà, voilà, putain, mais je fais n'importe quoi et ça marche. Mais mon Dieu, mais offrez-moi des choses, offrez-moi des femmes, offrez-moi de l'argent, faites-moi des dons là, abonnez-vous, hein. Abonnez-vous pour la peine, laissez un pouce bleu, partagez à votre grand-mère, à vos cousins, à votre famille, à tout le monde. Je le mérite amplement, largement. Ok. Je sais pas combien d'autres personnes à sauver, faudrait que je me renseigne pour l'épisode prochain. La famille Castor? Ah non, juste le Castor. Avec ses dents comme t'as pris Castor.
Bonjour, je m'appelle Justine, je suis charpentier de carpentier de métier de charpentier. Merci d'avoir choisi cet endroit. Je possède un atelier dans les bois, je suis capable de construire plein d'objets géniaux. Si tu es intéressé, je te verrai là-bas. À bientôt. Ouais, bientôt, Justine. Oublie pas de te brosser les dents, fils de... Ok. J'adore les castors. Oh putain, qu'est-ce qu'il faut là? Et pour compléter le prochain sanctuaire, tu dois trouver ton chemin vers le désert et la plage. Le désert au chocolat? Cherche la pyramide dans le désert, elle doit être cachée quelque part par là. Les noix de coco sont facilement trouvables dans les palmiers de la plage. Secoue-les un peu. Si je me rappelle bien, l'entrée de ces régions est située dans la forêt. Je vais marquer ces régions sur ta carte. Et bah parfait, bah on fera ça dans l'épisode prochain. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3 x 7, 67. On est d'accord. Bon, on va s'arrêter là. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à commenter, à vous abonner, à partager sur les réseaux sociaux, ça fait plaisir. Et puis peut-être qu'on fera un autre épisode. Peut-être que je vais même enchaîner comme un gredin. Hein. Je suis un vil gredin, je suis un jocrisse, je suis un malandrin. On va pas se le cacher. En tout cas, c'était l'épisode de la pluie. De la pluie et du beau temps, et c'est ça qu'on aime, c'est ça qu'on veut. Qu'est-ce qu'elle me dit, elle? Pour compléter le prochain sanctuaire, tu dois trouver ton chemin vers le désert et la plage. D'accord, les noix de coco, machin, on a bien compris. Bon, gros bisous à tous, et à bientôt. Salut.